Bonjour Elisabeth, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. On s'est rencontrés, Jean-Marc, à la chorale. Oui, c'est bien ça, un soir à l'église Sainte-Thérèse, invité par une amie commune. Hein, oui, c'est ça. Qui est Liliane, et a découvert cette chorale où elle a chanté elle aussi. Oui, tout à fait. Donc, ouais. Voilà, donc dans ce cadre-là, on a eu l'occasion d'échanger. Et puis effectivement, ce soir-là, on s'est rendu compte qu'il y avait chez certaines personnes certaines affinités, d'où l'intérêt d'avoir parlé de la synesthésie. Oui, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Donc la synesthésie, elle est vraiment basée sur nos cinq sens. C'est une façon particulière qu'a un individu, donc moi et Elisabeth, puisqu'elle est synesthète aussi, de percevoir les choses à travers nos sens différemment. C'est-à-dire que là où vous entendez des sons, dans mon cas, j'entends les sons, mais je vois les couleurs qui s'associent avec. Là où Elisabeth, elle... voit la matière, elle ressent les informations qu'il y a dedans. Voilà. Et moi, je vois tout son rayonnement. Donc voilà. Et effectivement, ça nous amène à une perception particulière de la vie et des personnes qui nous entourent, y compris des matériaux. D'accord. On peut imaginer, lorsqu'on est enfant et qu'on découvre petit à petit... ces facultés, on a l'impression que tout le monde autour de nous est pareil. Donc on ne comprend pas certaines réactions. C'est ça. On ne comprend pas certaines réactions. Et puis après, les personnes finissent par te dire, tes parents finissent par dire, mais non, ce que tu racontes, c'est des bêtises. C'est donc on ne nous croit pas, enfant. C'est très douloureux parce qu'on ne nous croit pas. On pense qu'on raconte des histoires ou qu'on se raconte des histoires. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples précis Oui, un exemple précis. Enfant, chez mes parents, il y avait au début un téléviseur noir et blanc. D'accord. Mais je la voyais toujours en couleur. Oui. Donc c'est perturbant. Mais oui. Et il y avait, ça, cette couleur-là, machin, non, c'est noir et blanc. Moi, je ne comprenais pas. Oui. Et c'était même frustrant pour moi de ne pas pouvoir partager. Puisque la synesthésie, c'est quoi? C'est la capacité aussi à restituer les choses telles qu'on doit les percevoir dans la réalité. Par exemple, si là, il y a une vitre fermée, il y a quelqu'un qui tape à l'autre bout à 200 mètres avec un marteau sur un bout de métal, toi, tu n'entendras pas le son, mais moi, je l'entends. Parce que ma mémoire va restituer l'exactitude au niveau du bruit, ce que peut être un marteau qui tape sur un bout de métal. D'accord. Alors que c'est très loin de toi et que tu n'es pas censé l'entendre. Okay. La synesthésie va recréer cette densité qu'a au niveau sonore, comme toi tu peux l'avoir au niveau de d'autres facultés. Même le son, j'entends les sons de très très loin. Ouais. Tu vois, j'entends un avion avant qu'on le voit, qu'on l'entend, enfin que la plupart des gens le voient. Donc je vais être vraiment sensible. Toutes les informations multisensorielles en fait sont extra sublimé quoi, tu vois. C'est ça. Donc du coup ça crée une hypersensibilité à tout, ouais. Et une obligation d'aller au travers de sa vie, apprendre à les gérer. Oui, parce que j'imagine que par exemple dans des centres commerciaux ça peut être compliqué. Voilà. Oui. On se cale. On apprend à vivre avec. D'accord. Ça crée un brouhaha en fait d'informations. Ok. Et comment vous le gérez, ça, du coup? Est-ce que vous mettez une... Non, je crois que c'est un jeu. Au début, on pour peut toi, se mettre... Peut-être. Moi je pense que je me mets inconsciemment du coton dans les oreilles, un filtre de respect pour les gens, puisque comme je les ressens aussi dans leur intérieur, j'y mets un filtre pour pas forcément y aller et pour garder aussi une forme de respect, hein, voilà. Pour Jean-Marc, comme c'est un petit peu sur d'autres plans, lui va peut-être jouer avec. Moi je joue souvent avec la nature des énergies, des matériaux ou l'audition. C'est effectivement souvent, je suis à contresens de ce qui se passe dans une grande surface. Là, il y a beaucoup de monde, donc il y a une luminosité particulière avec les auras, avec le bruit. C'est dans cette direction où je vais faire mes courses en dernier, par exemple, pour éviter d'être dans les endroits où il y a trop de monde. D'accord. Donc, je ne vais pas suivre le flux tel qu'il est. Ouais. Je vais vraiment, par automatisme, je vais diriger mon flux, mon déplacement en fonction de là où, à contre-courant, alors je vais sentir où les... Oui, ou sinon, d'accord, je peux laisser en plein milieu de la grande surface mon caddie, puis aller à l'opposé, parce que je sais que par là, c'est pas le moment, mais c'est pas grave. Okay. Et puis, il y a la notion du goût. No-
autre forme de synesthésie, c'est là, je passe le dos de ma main sous le canapé, j'ai le goût tout de suite dans ma bouche. Et ça goûte quoi? C'est pas terrible. Ça goûte de matière, de tissu, ça okay. Perd un goût de poussière, c'est de la poussière. C'est aussi, par contre, ça m'a permis d'apprendre à cuisiner très tôt. La notion des goûts, sentir les aliments, mélanger les goûts, de savoir très vite, je prends trois ingrédients, je descends, je sais quel goût ça a dans la bouche. D'accord. Et comment les doser. Mais par contre, effectivement, quand on se déplace, moi j'aime beaucoup plus le goût de ce qui se passe dans la nature que le goût d'un espace industriel, par exemple. Oui, j'imagine. Voilà, c'est ça aussi. C'est que du coup, c'est un attirance sur la nature et les espaces, on va dire, sains. Qui nous permettent d'être pleinement nous-mêmes, hein, finalement. Parce que le désavantage qu'on va avoir dans un lieu où les informations ne sont pas forcément agréables, dans un lieu où les informations sont harmonieuses, là, du coup, c'est sublimé aussi. Donc, ouais. Ça apporte vraiment du bien-être. Et véritablement, c'est ce que ça nous a apporté. Quand j'entends Elisabeth parler de bien-être, véritablement, c'est ce que ça nous a apporté. C'est de s'intéresser aux autres. Parce que nous, on voyait nos parents, nos proches, quand ils allaient bien, quand ils n'allaient pas bien. Et donc forcément, ça nous a donné envie de s'intéresser aux gens. Autant les personnes nous rejetaient par rapport à ce que nous étions, par rapport à cette compréhension de ce que nous étions avec notre synesthésie, autant nous, on avait envie d'aider et d'équilibrer ces personnes. Qu'on parle d'énergie, hein. Ce qu'on voit, c'est... Alors, oui, moi, j'ai pas eu le même champ, en fait, c'est de me rendre compte que je pense que c'est dans l'invisible, les gens savent que nous savons. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a, pour ma part, mais je pense pour la tienne aussi, beaucoup de gens, j'étais très jeune, et qui se confiaient à moi au-delà de... Comme si j'avais la réponse à leur problématique. Chose que je ressentais effectivement malgré ma jeunesse, mais qui paraissait décalée, tu vois. Et donc, c'est à un moment donné de se dire comment faire pour que je ne sois pas qu'un émetteur-récepteur, mais que je puisse faire comprendre ce procédé qui est un procédé naturel en soi, que je puisse le faire comprendre par la personne qui est en face de moi pour qu'elle puisse utiliser son potentiel. Oui. Et là-dessus, on se retrouve avec Jean-Marc. C'est ce qu'on a mis en place. Mais je pense que c'est vraiment passé, je te le disais tout à l'heure, par un chemin personnel obligatoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va à volo, on a envie de tester, on ne comprend pas, on veut voir jusqu'où on est. Donc j'ai été borderline quand même. Moi, j'étais dans des limites de plein de choses parce que je voulais aller voir jusqu'où. Ça fonctionnait, jusqu'où j'étais vraiment comme ça, jusqu'où j'étais vraiment différente, entre guillemets. D'accord. Et je pense que toi, tu l'as fait autrement, mais à ta façon aussi. J'ai été voir jusqu'où les gens allaient dans leurs limites, moi. Le champ d'expérimentation, c'était mon observation des personnes, mon observation dans plein de métiers différents. Parce que c'est vraiment l'intérêt pour l'autre et comprendre psychologiquement comment les gens géraient leurs énergies. Leurs émotions à travers leurs énergies. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai fait aussi, mais on l'a fait un petit peu différemment, mais finalement... Très complémentaire. Très complémentaire à chaque fois. C'est très vrai. Complémentaire. Oui, ça fait un champ complet. Et comment vous faisiez pour ne pas prendre l'émotion de l'autre? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Comme tout, en fait, ça s'apprend. En fait, c'est comme un apprenti sorcier qui se rend compte qu'il a une capacité incroyable, il n'a pas envie de faire mal, il a envie d'utiliser à bon escient. Si tu as un peu d'éthique, parce que on pourrait tout à fait exploiter ce que l'on ressent, on aurait pu décider de l'utiliser sans éthique, tu vois. Mais ça fait partie de ce que l'on est, dans notre âme, dans notre être. Hein, et donc, du coup... on a eu envie de transformer tout ça pour pouvoir aider l'autre. Mais je pense que si on est ami de l'éthique, c'est parce que la matière est toujours sincère avec nous. Moi, quand une plante, moi j'adore la nature, les végétaux, les animaux, n'importe quel matériau. La première chose que je fais quand je découvre un nouveau matériau, en plus de le voir vibrer au nez, je vais le toucher. Je ne peux pas m'empêcher de toucher les choses. Et juste pour qu'il y ait cet échange, c'est ce que tu envoies, c'est ce que tu as envie de renvoyer.
Mais la matière, elle est sincère, elle. Donc forcément. Elle est sincère, mais elle est multifacette, et sa sincérité fait aussi le panel de tout ce qu'on retrouve chez l'humain. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la notion de jugement, en fait, dans ce qu'on ressent. Il y a la notion de c'est comme ça. Et donc, ça nous permet d'accompagner aussi, je pense, dans l'humanité, dans l'humain, au travers de ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Parce qu'on est, on juge pas, c'est pour s'aimer, il faut pas se juger déjà, non. Tu vois. Ouais. Et donc, ça veut dire s'accepter comme on est. Donc, en fait, le chemin qu'on a fait pour nous, qu'on comprend au travers de la matière qui nous environne et dont on est constitué, finalement, elle joue bien quand elle est dans l'équilibre. Peu importe qui nous sommes, en fait, peu importe si on fait des mauvaises actions, des bonnes actions, en fait, l'idée, c'est d'être dans l'équilibre de ce que l'on est. Et de ce que les autres sont, et de ce qui nous environne, toujours dans l'équilibre. C'est l'équilibre qui nous rend bien. Tu vois, c'est cette notion d'équilibre qui nous rend bien. C'est-à-dire d'être en paix avec soi-même. Oui, on est en paix quand on est dans l'équilibre. Mais on est en paix quand on est dans l'équilibre, par exemple. Je te pose une question. Il y a des tas de moments où tu sais qu'il y a des choses que tu fais qu'il faudrait mieux que tu fasses autrement. Mais tu sais que dans le moment présent, tu n'en es pas en capacité. Oui, donc, du coup, tu crées un équilibre. Un équilibre entre ce que tu es capable de faire et ce que tu aimerais faire et être, tu vois. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a toujours, on n'est jamais dans la notion de jugement, on est toujours dans la notion d'équilibre pour arriver au bien-être. La méditation, c'est quoi? C'est un équilibre, de ressentir l'équilibre de ce que l'on est, tel que l'on est, dans cet équilibre entre le passé, le présent et le futur. On est là et on pose un poids d'équilibre de ce que l'on est. Ça amène la notion de justesse. Oui. Parce que moi qui côtoyais énormément de chefs d'entreprise, qui étaient DRH, tu peux avoir un chef d'entreprise qui peut être le plus grand requin de l'univers, qui achète des entreprises, qui licencie des personnes à tour de bras parce qu'il a besoin de sécuriser son investissement. Malheureusement, ça touche l'humain. Mais d'un autre côté, dans sa vie de tous les jours, dans sa famille, dans ses amis, c'est une perle, quoi. C'est quelqu'un qui est adorable, qui aime tout autant et qui équilibre ces deux parties. Et qui pourtant amène cette notion de justesse par rapport à lui-même. La notion de justesse, c'est toujours par rapport à soi. Oui. En premier, et ça nous oblige d'être juste aussi avec les autres. Mais la justesse aussi ne dégage pas non plus de la responsabilité qu'on a les uns les autres vis-à-vis des uns des autres, ou de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de soi-même. Ça pousse chacun à être responsable de ce qu'on est. Oui, et être authentique. Sincère, dans sa sincérité d'être. Sincérité. Je suis ce que je suis ici et maintenant, voilà. En acceptant toutes les facettes qu'on a en soi. Donc on enlève le jugement. Oui. On ne juge plus à ce moment-là. On est ce qu'on est pleinement, et comment l'un et l'autre l'assume et comment il l'amène. C'est comme quelqu'un qui arrive le matin au travail, mais qui est tout le temps fatigué, qui n'arrive pas à se reposer sur ses collègues, qui ne dit jamais rien. La même personne qui arrive tous les matins, bon, en ce moment, cette semaine, ça ne va pas bien, je suis fatigué, est-ce que je peux avoir un peu d'aide? Et le simple fait de dire ça, ça facilite aussi le travail des autres. Et ça aide les autres aussi à renforcer, alors ça doit être renforcé, à ne plus se sentir dépendant, à ne plus se sentir décalé par rapport à l'autre. Oui, ça, et une meilleure compréhension aussi compréhension, de l'autre. Et puis l'énergie, tu diffuses l'énergie différemment. Ouais. Donc ça fait partie de ça. D'accord. Puis après aussi, dans cette notion de synesthésie et de la matière, c'est vraiment de se rendre compte que tout ce qui nous environne nous aide aussi. C'est ton émotion qui va te donner l'impression que ton environnement est horrible ou pas bien, ou super, quoi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à l'émotion en lien à la matière, parce que nous, ce qu'on a pu vivre enfant dans cet équilibre qu'on a réussi à trouver, c'est parce que on s'est rendu compte qu'effectivement, la matière illimitée qui nous environne et dont on fait partie, puisqu'on fait partie de ce grand tout, elle interagit, mais encore faut-il lui donner la capacité d'être vivante et l'idée qu'elle est vivante, tu vois. Et ce qui est le plus dur pour les gens qui peuvent nous écouter aujourd'hui, c'est de se dire, oui, mais tout ce qui nous environne, c'est pas vivant, il y a plein de matières inertes, on en parlait tout à l'heure, et comment est-ce que je peux jouer avec ça? Comment est-ce que je peux jouer avec cette matière qui nous environne? Et pourtant, on y joue, on peut
on le fait instinctivement, en fait, avec des tas de petites choses, voilà, l'enfant qui prend son doudou, le fait de se mettre dans un bel endroit et de se rendre compte que ce lieu, il est vraiment énergétiquement, il nous fait du bien. Et donc, du coup, on se rend bien compte que forcément, il interagit, la matière interagit. Il y a peut-être un meuble que tu as acheté parce que tu as eu le coup de cœur et tu te rends compte que ce meuble-là, il porte aussi quelque chose. Et quand tu le touches, quand voilà, il y a donc tout, voilà, sans compter l'eau dans l'air et l'oxygène qui est en sans cesse va-et-vient avec l'intérieur et l'extérieur. Tout ce va-et-vient perpétuel entre cette matière qui nous environne et ce que l'on est tellement naturel et constant. Et pourtant, dans la société dans laquelle on est, on commence tout juste, en fait, à en prendre conscience, à se rendre compte qu'un environnement sain amène à ce que l'humain soit bien en lui. Que, effectivement, cette interaction, elle est visuelle, elle est auditive, elle est sensorielle, elle est dans l'invisible aussi, elle est dans ce qu'on voit, mais aussi dans ce que l'on ne voit pas. Et pourtant, tout ça vit. Et c'est vrai que ce que nous, on ressent depuis enfant, je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie de transmettre, tu vois, que tout un chacun se rende compte que, voilà, quand on bouge la main, on travaille avec la matière, quoi, que... Elle est là quand on touche quelqu'un, quand on touche le canapé. Voilà, tout. C'est tout le temps, toujours. Et en fait, on bouge avec quelque chose qui est une suite de nous. Et on fait partie d'eux. Et ça change tout quand on a cette conscience-là. Parce que du coup, on a du respect pour ce qui nous environne. Et que ce soit beau, pas beau, on y a du respect quand même. Parce que c'est la suite de nous. Donc quand il y a des gens qui ne nous plaisent pas, quand il y a des objets qui ne nous plaisent pas, quand il y a un environnement qui ne nous plaît pas, le fait de se dire « Ok, ça ne me plaît pas, mais finalement, c'est aussi dans la suite de moi », eh bien, je vais être quand même moins jugeante, ouais. Plus... Voilà. Il y a une forme d'équilibre qui se repose, tu vois, à sa façon, et qui permet de se sentir unis sur la planète, de faire corps avec, avec ce qui nous environne. Et ça redonne du sens à ce que l'on est et à sa propre vie. Quand on est, tu disais au début, tu nous as posé la question, comment ça fait quand on est différent ? Comment ça fait ? Ben voilà, en fait, c'est ça. Mais tout le monde s'est senti différent à un moment donné. Parce qu'on n'allait pas bien alors que les autres allaient bien. Parce que c'était l'inverse, on allait bien, les autres n'allaient pas bien. Parce qu'on est dans un environnement pourri et puis qu'à un moment donné, on dit on voudrait tout changer la déco. Et voilà. On s'est tous sentis différents à un moment donné. Mais vraiment, le seul truc finalement qui réaccorde, c'est ça, c'est je fais corps et tout est possible si je fais corps. Parce que si mentalement tu t'ouvres, je fais partie d'eux, à ce moment-là, tu peux jouer avec cette matière et cet environnement. Mmh. C'est vraiment la clé, elle est là, la clé. Dès l'enfance, on est habitué à ça, on nous apprend sans être synesthète. Tu apprends à dire ce que tu aimes, tu n'aimes pas. J'aime ça, j'aime pas ça, j'aime ce vêtement, j'aime pas ce vêtement. Le simple fait déjà de l'énoncer, ce j'aime, tu crées déjà une relation entre toi et le vêtement que tu vas porter, ou entre toi et le coussin que tu vas tenir. Ou j'aime pas, tu crées déjà une relation de distance avec l'objet ou avec ça. Donc on est là. Et par contre, nous synesthètes, on va être différents. On va chercher à comprendre pourquoi et à chercher à l'harmoniser, parce que c'est toute une question de vibration. Moi, pour ma part, c'était ça, c'était si j'en suis arrivé à créer cette enceinte avec, qui résonne à la fréquence de résonance de l'eau, c'est parce que l'enfant, je sentais ça à travers l'eau, à travers la musique, et j'avais cette frustration que de ne pas le partager. Et c'est ce qui m'a emmené à travailler en parallèle de mes différents métiers sur un projet comme celui-ci pour en arriver à son aboutissement, pour faire vivre aux gens ce que tu as vécu tout à l'heure avec l'enceinte. Et puis pour que ce que tu es ait du sens aussi. Et du sens aussi. Parce qu'on a besoin de ça, on a tous besoin, voilà, de, à un moment donné, de partager ce qu'on est sur une échelle, sur un plan, où l'autre est capable aussi de le ressentir. Parce que quand je parle de la cuisine, les gens vont le vivre à travers le goûter. Ils vont goûter. Les gens vont le vivre à travers tes œuvres, vont le vivre à travers tes accompagnements pour... sur tes Global Open Earth, on le vit à travers la méthode Unitra que tu lègues à l'humanité. donc voilà, donc c'est tout ça. C'est exactement comme quand tu prends ce coussin, si tu le prends contre toi, tu l'as... Non, mais c'est vrai, tu le prends contre toi,
C'est un coussin. Oui. Maintenant, mais c'est plus qu'un coussin. C'est plus qu'un tu coussin. Tu vois bien, tu sens bien, c'est toute l'intention que tu vas y mettre. Toute l'intention. Maintenant, l'interaction, c'est comme nous, en tant que synesthète, tu vas sentir ce qu'elle envoie. Moi, je vais le sentir vibrer. Je vais le sentir vibrer. Je on va même sentir, tu vois, en fait, on va même sentir, ça c'est vraiment l'émotion du coussin. L'émotion, parce qu'il vibre, c'est ça. Et par contre, le simple fait de lui demander, parce que quand nous, ça veut dire que quand on est synesthète et qu'on voit les choses, qu'on les ressent, c'est qu'on peut vibrer, c'est qu'on vibre au même plan de ces choses-là. C'est qu'on vibre au même plan de cet invisible qui est là. Et donc le simple fait de lui demander et de l'harmoniser pour qu'il vibre à la même fréquence que toi, parce que c'est ça, on te demande de vibrer à la même fréquence que toi, tu vas le prendre, tu vois, il va être complètement différent. Ça n'a pas du tout, tu vois, c'est pas du tout le même rapport. Tu sens qu'il va se passer quelque chose, il va s'interfacer. Ouais. Donc nous, si tu lui dis ça, tu lui dis, est-ce que tu veux bien vibrer à la même fréquence que moi? Tu peux lui dire, Voilà, maintenant, si tu le prends contre toi. Ah ouais, je ressens la douceur. Tu ressens de la douceur, tu vois. Donc voilà. Donc nous, en tant que synesthète, on a ce lien privilégié avec la matière, avec les choses. Et ça amène du respect. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'anodin. Voilà. Il n'y a rien d'anodin. Alors c'est vrai, tu vois, quand tu es enfant, tu dis des trucs comme ça. Ta mère, elle dit oui, c'est ça. Oui. Tu vois. Mais aujourd'hui, on a plus conscience avec les plantes, parce qu'on voit, il y a des expériences aussi avec l'eau, avec Yamamoto qui a mis un nom plus ou moins différent, la molécule de l'eau a changé, on sait que ça marche sur les plantes, aussi on leur parle, ou si elles écoutent telle ou telle musique, elles vont évoluer, ben, ça marche aussi sur la matière qu'on dit inerte, tu vois, en fait, ça marche sur tout, vraiment tout, c'est en ça. Fait. C'est ça, c'est lorsqu'on est enfant, on voit les plantes communiquer entre elles à travers leur système racinaire, on voit les choses communiquer, on commence simplement à en parler aujourd'hui depuis quelques années, et là on se dit bon, et au bout d'un moment on finit quand même, il y a quand même un phénomène, on finit aussi par se retrancher sur soi-même, parce que c'est important, où on finit par observer les choses et garder les choses pour nous, en attendant de pouvoir les partager aussi. Oui, oui, parce que en fait, après, ben, voilà, tu sens bien si les gens ils sont en capacité de recevoir l'information ou pas. Donc, il y a plein de fois, tu te dis, bon, là, je ne vais pas le dire parce que la personne n'est pas... ça va être compliqué pour l'entendre, quoi. Donc, on va être tout de suite catalogué dans un tiroir folding. tu vois, donc voilà, on a eu tous les deux des métiers à forte responsabilité. Moi, j'étais chef de chantier en faisant des grandes fresques en France et à l'étranger. Donc, j'avais des lourdes responsabilités. Il ne m'aurait jamais venu à l'idée de leur parler de ce genre de ressenti, tu vois, parce qu'on est, dans le bâtiment, on est dans le milieu où, on regarde le factuel, on ne regarde pas, voilà, on regarde pas l'invisible. On ne le ressent pas, ou si on le ressent, on n'en parle pas. Voilà, c'est vrai que... on a eu besoin l'un l'autre, et c'est le grand plaisir d'aujourd'hui d'assumer ça, tu vois, d'oser faire des vidéos comme ça. C'est parce qu'on est arrivé à une tranche de vie aussi, où on a été au bout de ces chemins-là, et aujourd'hui, on a, avec ce qu'on a mis en place avec nos objets, avec nos outils de bien-être, on se sent unifié nous-mêmes, et donc on est dans cette capacité de pouvoir... assumer pleinement, finalement, toutes les facettes de ce que l'on est. C'est ça, c'est-à-dire ces outils qui sont le prolongement de nous-mêmes, qui maintenant, on travaille ensemble, on fait cette alliance avec tout notre savoir-faire, font qu'aujourd'hui, il y a une légitimité qui s'installe, de fait, auprès de scientifiques, auprès de personnes qui reconnaissent nos travaux et qui disent, ouais, effectivement... on ne sait pas trop comment ça marche, mais ça marche. Mais ça marche, on ressent, on vit. Voilà. Techniquement, il y a une fabrication technique, parce que ça reste quand même un produit technique, ça reste quand même un assemblage technologique maîtrisé pour arriver là. Et même les GOH, l'espace que tu crées avec l'œuvre, avec cette interaction aussi, il y a un vrai savoir-faire. Ça a été validé, ça a été testé. C'est quoi finalement une GOH? Donc c'est un micro-espace qui va permettre d'aller se détendre physiquement et psychologiquement le temps d'une petite pause, plus ou moins grande d'ailleurs, hein, de 3 minutes minimum jusqu'à 20 minutes, une demi-heure.
dans lequel, qui va être sacralisé, donc prévu dans une entreprise ou dans un espace scolaire ou dans, voilà, pour pouvoir s'autoriser à prendre ce temps pour soi. Donc, comment ça marche? On a un mobilier enveloppant, donc un fauteuil phonique bien enveloppant. On a une œuvre d'art qui est visuelle et en relief. Hein. Je tiens vraiment pour la densité de la matière qui permet mentalement d'aller s'embarquer très facilement dans l'espace du tableau. Et puis, on a un accompagnement vocal et sonore, musical, bien, et qui aujourd'hui marche à la fréquence de l'eau avec le système de Jean-Marc. Et on va pouvoir comme ça s'isoler et se permettre d'aller pas bien aussi, d'accepter de traverser son émotion et, ou juste d'avoir besoin de se ressourcer dans cette bulle finalement qui est créée et qui est autorisée par le chef d'entreprise, hein, ou le chef d'établissement. C'est super important parce qu'on est dans une société aujourd'hui, on a besoin de validation, d'autorisation pour pouvoir se sentir légitime sans culpabiliser, de pouvoir prendre des pauses. Et si tout le monde joue le jeu, du coup, il se crée un lien bienveillant, parce que la bienveillance, elle est dans l'acceptation de nos fragilités. Hein? Et accepter d'être fragile, c'est accepter d'être un humain, tout bêtement. Donc, de transformer les liens sociaux, non pas dans un robot performant, comme on tend à le faire, mais dans « je vais trouver ma performance en acceptant d'être ce que je suis » et par moment, ben, ça va, et j'ai de la pêche, puis par moment, j'ai juste besoin de me ressourcer. Et d'avoir un espace comme ça dans un lieu où on va pouvoir y aller, y retourner, où on va pouvoir s'approprier son temps de pause, mais pas dans un lieu de pause comme il y a des salles de pause où on va écouter juste de la musique. Où on, voilà, là, ça prend vraiment la personne, ça l'oblige à déconnecter parce que quand vous êtes pris physiquement, visuellement et auditivement, vous lâchez prise à un moment donné, beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est vraiment un processus holistique. D'accord. J'y tiens beaucoup parce que je pense qu'on ne peut rien transformer si on ne prend pas les choses dans leur globalité et notamment les humains. Oui. C'est la différence qu'il y a entre un moment de détente et vraiment apaiser toutes ces cellules et remettre à niveau toutes ces émotions. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on vit ces expériences-là, j'espère que tu vivras un jour si on te met en place ici, c'est qu'en fait, le temps est élastique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que tu appuies pour 3 minutes ou 20 minutes, mais en fait, si tu demandes, si la personne n'a pas vu ça, tu demandes, mais combien de temps vous avez vécu ? Il y a des gens qui disent, j'ai eu l'impression de partir une journée. Oui, il n'y a plus de notion de temps. Quoi. Oui, voilà, tu vois. Donc, dans ce temps élastique, tout est possible. Et donc, les connexions, on va dire, on va employer un mot à la mode qui fait rêver, quantique. Tu vois, les connexions quantiques vont pouvoir, l'improbable, ce qu'on n'arrive pas à expliquer finalement, va se ranger à l'intérieur de nous, parce qu'on s'accepte. Et effectivement, il n'y a pas de miracle, ça ne marche pas. Il n'y a pas un médicament pour ça. C'est l'entraînement à s'accepter tel que l'on est qui va faire qu'on va prendre confiance en soi, qu'on va se aller mieux, en fait. Et c'est pas tout le temps qu'on en aura besoin. Mais si on sait, c'est comme dans sa vie, si tu as un ami qui t'est fidèle, ou si tu sais que dans ta vie, tu n'as aucun ami. Ben, rien que le fait de savoir que tu as un ami que tu peux aller voir si un jour ça ne va pas, ça change toute la donne parce que potentiellement, tu sais que ça existe. Ouais. Et ben, c'est pareil quand tu as un lieu comme ça, public, où la société a mis en place le respect de ce que tu es pour t'accepter comme tu es, sans jugement, dans l'amour, en fait, vraiment ce qu'on peut appeler l'amour, eh bien, c'est juste un grand, grand pas dans la société. C'est sûrement pour ça qu'il m'a fallu attendre toutes ces années pour que ça se mette en place et qu'on se rencontre aujourd'hui avec Jean-Marc pour optimiser le process, quoi. Et puis aussi, c'est un nouveau rapport à l'œuvre d'art. Souvent, là, c'est quelque chose qu'on ne touche pas, qu'on ne voit que dans les musées, qui n'est pas forcément... Moi, je n'ai pas été éduquée. Je rencontre beaucoup de gens qui disent « Oui, mais moi, l'art, j'y connais rien. » Mais on s'en fiche que l'art, on t'y connaisse rien. L'art, c'est pour tout le monde, en fait. Tout le monde peut entrer en lien avec une œuvre d'art. C'est juste qu'on n'a jamais appris aux gens à le faire. Donc, c'est intéressant aussi de poser ce postulat que, voilà, il y a une petite main tendue qui est là pour pouvoir s'approprier une œuvre et se rendre compte qu'elle est universelle.
Je reviens à la démarche j'aime ou j'aime pas, ou pourquoi j'aime pas. C'est pourquoi j'aime, donc c'est faire l'inventaire de tout ce qu'on aime, donc pourquoi on le perçoit, et j'aime pas, ça permet aussi de faire l'inventaire de qu'est-ce qu'on n'aime pas dans son détail, et ça permet aussi de se respecter soi-même, et ça permet aussi d'être conscient de toutes les émotions qu'on va poser sur ce que j'aime pas. Parce qu'on a tendance à tout raccourcir. Alors que si on analyse pleinement ces deux intentions, si on analyse pleinement dans toute sa dimension, on se rend compte que c'est une dimension folle, y compris le j'aime pas à plein de dimensions. Alors moi, je n'irai pas comme toi, parce que je pense qu'en premier, c'est de l'ordre du ressenti. En fait, on est vivant, on a des émotions, et en départ, il faut gérer ces émotions. Et cette notion de regard et d'observation, elle ne peut être faite que dans un deuxième temps. Non, je l'amène à l'objet. Tu amènes après à l'objet. Je l'amène à l'objet. Le lien, du coup, il était. Non, je l'amène à l'objet ou à une œuvre d'art. Parce que les gens, souvent, sont devant une œuvre d'art. Ça, j'aime pas. Oui, d'accord, là, je comprends mieux. Dans l'œuvre d'art, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est l'œuvre en soi, qu'est-ce qu'elle renvoie comme image, qu'elle te renvoie à quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que finalement, l'œuvre d'art, c'est un filtre. Voilà, c'est ça. C'est juste une rencontre, en fait. C'est une identité. Donc, c'est en fait comme une personne. Il y a des personnes qui te reviennent, d'autres qui ne te reviennent pas. Tu n'aimes pas leur coiffure, leur je ne sais pas quoi, leur machin. D'autres, ça va être, c'est top parce que ça correspond à ton filtre. Et puis, en fait, on se rend compte que finalement, on a souvent des belles surprises finalement quand on enlève le filtre de ce que l'on voit, mais qu'on, comme on dit le petit prince, on ne voit bien qu'avec son cœur, hein, et que en fait, moi, tu vois, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que dans les œuvres j'ai fait le parti pris de pas d'être dans la nature ou être dans une société, en tout cas, où on va pas agresser, dans un visuel où on va pas agresser. On peut être aussi dans un lieu, on va dire, architectural, mais on ne va pas agresser, tu vois, c'est parti de peu à pas agacer, parce que quand même, l'idée, c'est quand même d'aider les gens à faire leur bien-être, et voilà. Mais on peut aussi, il y a des fois, ça t'est peut-être arrivé, tu es dans un musée, puis il y a une toile, tu te dis, ah, mais c'est horrible, quoi. Et c'est tellement violent ce qu'elle te renvoie, quoi, tu vois. Et en fait, c'est tellement violent parce qu'en fait, ça te parle tellement, sa violence, par rapport à une violence que tu as tellement en toi, tu vois. Et du coup, quand tu l'accueilles, ça, que tu dis, ah ouais, ça parle de ça, eh bien, il y a quelque chose qui se transforme, qui s'alchimise. Et c'est comme ça pour tout, finalement, pour la matière, pour les gens, pour les œuvres, pour tout ça. C'est quand on se rend compte qu'on peut alchimiser. Tu vois, c'est reprendre le pouvoir, que finalement, à partir du moment, le pouvoir, il est dans l'acceptation que tout est mouvement. Si on est dans un pouvoir pour contrôler et qu'on bloque, ça ne marchera jamais. Tu deviens complet. Parce que, tu deviens complet. Parce que dire j'aime ou j'aime pas, tu peux pas être complet. Par contre, dire j'aime parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça t'oblige à entrer dans tes émotions et à expliquer. J'aime pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça t'oblige à aller voir. Là, tu deviens complet. Mais si tu passes toute ta vie à dire uniquement j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime pas, t'es pas complet. Tu te rends bien compte que tu n'analyses pas en profondeur le pourquoi. Et ça, c'est important pour toute chose. Ben oui, parce que tu ne traverses pas ton ressenti. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu es juste dans un impact surface, voilà, sans être dans le ressenti. C'est important. Moi, je propose aux gens qu'à chaque fois qu'ils n'aiment pas quelque chose, ils se prennent une seconde de plus devant le truc sans tourner volte-face et repartir. Juste une seconde de plus, que ce soit devant une personne qu'ils n'aiment pas, n'importe quoi qu'ils n'aiment pas, une seconde de plus. Et se dire, ok, et là, il y a une information qui va se mettre en place. Parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on a tout en nous, et là, tout est information, en fait. Tout est information, ça, c'est magique. Tu prends la musique. Combien de fois, tu entends des gens qui écoutent une musique, ils écoutent les trois premières notes, et hop, on zappe, on n'écoute pas. Mais ils n'ont jamais écouté le morceau en entier. Peut-être qu'au bout d'une minute, il y a une belle surprise. Peut-être que c'est juste une introduction et qu'il va se passer autre chose, ou peut-être qu'il ne se passera rien du tout, mais par respect pour l'œuvre, c'est une fois qu'on l'a lancée, c'est de ne pas s'arrêter aux 3 secondes, d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Et ça permet aussi d'aller au bout de l'information qu'on reçoit. Et si on se contente dans la vie de prendre juste la première information en se disant on met à gauche, on met à droite, on met au centre, on ne sait pas. Oui, puis il y a un truc aussi qu'on sait tous, c'est que si on ne va pas jusqu'au bout de l'information qui nous est mise devant nous,
si on fait volte-face, on l'aura dans deux semaines ou dans trois semaines. Ça revient, ça va revenir. Fait que c'est une information que tu dois avoir. Ouais. Donc, quand on comprend ça, que finalement, plus on entraîne le fait de ne pas avoir peur de ses peurs, c'est normal parce que voilà, c'est un processus. Ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même, je vais voir l'info parce que de toute façon, elle revient. Alors, autant tant bien que mal, en fait, ce que je veux, c'est toujours finalement qu'est-ce que tu veux de ta vie ? Est-ce que tu veux être malheureux tout le temps ? Est-ce que tu veux rester standard par rapport à ce que tu es ? Ou est-ce que tu as envie d'être en l'évolution de la vie ? Et si tu es dans l'évolution de la vie, je veux dire de la conscience que ça veut dire, hein, aussi d'être en lien à tout ce grand tout. Du coup, ce qui est un choix, je veux dire, après, chacun pose son curseur. Hein. C'est vrai qu'il se passe des choses extraordinaires et que... parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens que tu rencontres, ils disent « Oui, mais toi, ça n'arrive qu'à toi, ce genre de truc. » Je dis « Mais non, ça arrive à moi parce que je me suis entraînée. Je me suis entraînée à dépasser ces peurs. Je me suis entraînée, et Dieu sait si on en a eu, Jean-Marc et moi, parce qu'on en avait d'énormes, parce qu'en fait, on se sentait tellement en décalage, on avait tellement se ressenti fort. Donc, il nous a fallu du courage, en fait, pour pouvoir dépasser toutes ces peurs et traverser ce sentiment où on est démuni, en fait. Et ce sentiment démuni que tout un chacun ressent à un moment donné de sa vie, c'est vraiment de se dire, de toute façon... j'y vais parce que j'y vais avoir l'information que je veux. Et du coup, même pas peur. Je vais le faire. J'ai peur, j'y vais. Je dépose toutes mes peurs. Et puis tu y vas. Tu sais, j'ai fait un truc. Il y avait un truc qui me faisait... Je parlais des choses borderline que j'ai fait. Et notamment, le vide me faisait très peur. Parce que j'avais eu un accident grave, en fait, où j'étais passée au travers de mon plancher. Et j'ai failli, en fait, perdre mon visage, hein, et ma vie. Et je me suis dit que je n'allais pas rester dans cette peur. Donc, évidemment, je suis allée très loin. Je me suis mise sur un pont et j'ai sauté à 50 mètres dans le vide pour me rendre compte que finalement, la peur était tout à fait... on pouvait la dépasser et qu'en fait, après, combien on est fier d'avoir dépassé une peur. Je veux dire, on voit souvent que la peur, mais... Quand on la traverse et qu'on... Tu vois, quand on quitte son emploi puis qu'on décide d'aller sur un autre champ parce qu'on a peur de perdre cette sécurité, même la sécurité de la peur qu'on connaît, je veux dire, des émotions dures, mais qu'on connaît. C'est plus difficile quand on demande aux gens d'aller vers leur bonheur, ça leur fait peur, le bonheur. Est-ce que tu veux vraiment y aller ? Mais j'ai peur, attends, j'ai peur du bonheur. Et en même temps, c'est fais un pas, quoi. Et tu vas te rendre compte combien tu es fière d'avoir fait ce pas. Parce que derrière la peur, il y a tellement de satisfaction, il y a tellement de revalorisation de sa confiance et de ce que l'on est, et de nos capacités à les dépasser, en fait. Ouais, puis la peur est là pour nous exalter. Moi, je sais que quand une situation me fait peur, au contraire, ça me donne envie d'y aller. Quoi. Il faut y aller, parce que forcément, il y a des réponses à chercher, il y a des choses à amener, il y a des échanges. Donc, donc ça suscite l'intérêt aussi. Donc, n'ayez pas peur, soyez curieux. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais. Merci pour ce partage. Merci à toi. Merci nous permettre de s'exprimer aussi. Ouais. Ouais.